Chaque joueur va devoir donner les ressources dont il a besoin pour ses activités. Par exemple, l'agriculteur ici, pour chacune de ses cartes, regarde quel est le premier chiffre dans un rond jaune qui tout simplement signifie l'argent qu'il va devoir donner pour pouvoir engager la production. Donc, il suffit qu'il le pose sur la carte. Et on sait à ce moment-là que l'agriculteur a payé les coûts de son activité. Par exemple, ici, 2 pièces pour les arbres fruitiers, irrigués de manière gravitaire, 1 pièce pour l'élevage ovin, etc. Ensuite, il va positionner les jetons verts représentant le temps pour les activités qui le nécessitent. Ici, en fait, dans le jeu, pour chaque activité agricole irriguée de manière gravitaire, il y a un jeton temps nécessaire qui représente tout simplement le fait que sur ce type de technique d'irrigation, le temps nécessaire à l'irrigation est supérieur à ce qu'il est quand les activités sont irriguées à travers des dispositifs sous pression, avec des automatismes, alors que dans le cadre de l'irrigation gravitaire à partir de canaux, l'agriculteur doit assurer des tours d'eau, être présent, entretenir souvent manuellement les rigoles qui lui permettent d'acheminer l'eau jusqu'à ses cultures et à l'intérieur de la parcelle, par exemple aux différents arbres fruitiers.